avec moi de faire des vidéos en caméra subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. C'est le premier test de cette caméra parce que je viens de la recevoir aujourd'hui même. Et pour fêter ça, je suis en Mercedes. Le modèle, je ne le sais pas, mais on va le demander au propriétaire. C'est quoi comme modèle? Alors, ici, c'est le modèle classe A. Classe A. Mercedes. Tout à fait. Alors, on va enlever le son ici, comme ça, on est plus entre nous. Mercedes, c'est un modèle 2020. Alors, petite caméra de recul. Il va falloir que je fasse bon, attention. Et c'est trop chouette, j'ai entendu que tu as pu faire les 20 km. Ouais. Dis, c'est dingue ça. T'as vu. C'était tout un truc. T'as vu la vidéo? Ouais. Ça va vraiment sympa. Là. Donc t'as déjà été à Skerwash, hein, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Il y a aussi moyen d'aspirer à l'intérieur. Oui. Ah cool. Je vais aussi sans doute devoir faire un peu ça. Oui. Il y a aussi moyen. Putain. T'as un endroit où tu préfères aller rouler? Je sais pas s'il y a des endroits que t'aimes bien où aller en voiture, non. Prendre un peu l'autoroute. Ouais. Et tu n'as pas le CarPlay? Non, j'ai pas l'option. Elle est disponible, mais je l'ai pas. Et ça, c'est une option que j'aime bien, tu vois. Ah, j'adore CarPlay, moi aussi. Je peux te montrer que. Si je fais ça, je change en mode sport. Le mode sport. Et c'est plus simple pour rentrer sur l'autoroute, utiliser le mode sport, pouvoir se mettre sur la bande. Et elle est très silencieuse. Ah oui, ça j'adore, c'est un confort. L'accélération n'est pas... Non, quand on est en confort, l'accélération... Elle n'est pas... Elle n'est pas brusque. Mais en mode sport, ça doit... déménager. Bientôt le carrosse. But de la vidéo, carrosse. Et Guillaume, en parlant de lui, il m'a dit que t'avais une option sur cette voiture. Pardon? Il m'a dit que t'avais une option sur cette voiture. Ah, il a parlé de quelle option? De l'option qu'elle se garait toute seule. Ah, mais il dit beaucoup de choses, Guillaume. Mais c'est vrai, il y a cette option qui est très chouette. Tu pourras me la montrer. Ah bah clairement. Faire un test en vidéo. C'est en plus l'option que j'aime le plus. Moi qui n'aime pas me garer. Et tu l'utilises tout le temps. Ah mais tout le temps. Genre, à chaque fois que je rentre chez moi, j'utilise. Alors que des fois, je dois même pas. Donc, je suis un peu fainéant. C'est juste que j'aime bien. Mais pour utiliser l'option, tu vas voir, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de voitures qui soient comme ça, mes capteurs comprennent. Pour te garer, genre devant, c'est moi. Oui, par exemple, en ça. En créneau. Oui, ça, je peux. C'est en créneau en fait que ça sait se garer.
Là devant chez toi, je me suis garé manuellement. Tu pourrais te garer en créneau devant chez moi. Ouais, ça je peux faire. Et diesel. Ah, c'est diesel. Hein. Ou essence. Ah, j'aurais dû te demander la question. Ce que tu pensais. Pour moi, c'était une diesel. Tu le ressentais, non? Ouais. Ah, voilà, oui, la station Lucole, donc voilà. Et t'as le start and stop aussi. Ouais. Voilà. C'est là. Ça se coule là. C'est là. C'est ici? Ça tu reconnais alors? Ouais. Donc là l'entrée, là la sortie. En espérant que c'est ouvert. Ah. Ah mince. Ah. Fermer le. Bah ça devrait être ouvert. Ah non, 6h, jusqu'à 6h. Ah zut. Eh bien. Moi j'aime bien les écrans, je trouve ça sympa. L'écran est même touch. Tu peux le toucher avec les doigts. Et le fer aussi par ici. Ouais, tu connais bien. Ouais, sur le trackpad. Il y a aussi le... Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Moi j'aime beaucoup. Ce que j'adore dans cette voiture, c'est le confort. Quand on roule, il n'y a en effet pas beaucoup de bruit, mais c'est aussi très confortable. Mais là on sport un peu. Tu veux encore en sport? Ah ben let's go. Mais tu le ressentiras seulement si je fais une accélération. Ouais. Ah oui. On n'entend rien. C'est vrai que c'est bien silencieux. Mais ça, c'est à côté de nouvelles normes, ça, j'aime pas. Tu préfères qu'on entende bien le bruit du moteur? Oui. Très bien. J'en connais beaucoup qui pensent comme ça. Eh ben... Là, des blues à mettre. Ouais, j'ai l'option à des blues que je peux mettre. Donc il permet... C'est que je dois un peu me renseigner sur ce qu'est la des blues, mais je pense que c'est, ça permet à être moins oui. Polluant. Polluant. C'est ça, je reconnais ici le voilà. Là, tu viens souvent à le voir en neuf? Ouais. L'impression qu'il y avait un carouache à Louvain-la-Neuve qui était vert jusqu'à cette place de l'accueil. On dit toujours que troisième fois c'est la bonne fois. Ouais, je vais mettre comme titre à cette vidéo. On ne trouve pas le carouache. Et tu sais, la des blues c'est fait à base de quoi? Non, toi tu sais? Du vrai. C'est de l'urée en fait. Ah, de l'urée. Elle roule bien. Ça, ça peut vous le dire. Et elle consomme combien? Elle consomme vraiment très très peu. Elle consomme, je pense, 4,5 litres. 4,7 en moyenne. Oui, ça c'est peu. Oui, c'est très peu. C'est très sympa. Alors, grâce à ça, un plein. Te permet d'aller très loin. Te permet d'aller jusque où?
plus ou moins. Je dirais 900. De faire combien de kilomètres? 900 kilomètres? Quelque chose comme ça? Ah oui. Après, il y a des voitures qui vont beaucoup plus, mais c'est genre un petit peu. J'ai entre 30 et 40 litres. Et que penses-tu des voitures hybrides? Ah, ça dépend lesquelles. Les fausses hybrides, ça pas dingue parce que ça permet pas de faire assez de kilomètres en électrique. Fausses hybrides, tu veux parler de quoi comme modèle? Comment dire? C'est que le capacité. C'est à partir d'un certain moment, le moteur thermique prend trop vite le dessus comparé au moteur. Oui, dans la Toyota CHR. Ça, tu aimes bien? Ça, elle prend trop vite le dessus. Ah ouais. Je trouve. C'est. Pourtant, j'en ai testé une, hein, mais. Et t'as aimé l'expérience quand même? Oui, mais pas fort en hybride. Ouais, c'est ça. T'es en hybride quand t'es en ville quand même. Mais voilà. Et toi, t'aimes bien les hybrides en général? Oui. Oui, Volvo fait bien ça. Ouais, ça je suis d'accord. Volvo a des très chaudes voitures. Ici qu'il devait avoir le car wash, mais comment faire, hein. Mais ne utiliser son téléphone. Non, au volant. Là, t'as des rangements. Des rangements, c'est ça, tu peux ouvrir en appuyant ici. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas rangé grand chose, mais. Moi, la voiture, c'est Audi que j'aimerais bien tester. Audi? Et quel Audi en particulier? L'RS6. L'Audi sportive. Oui. T'aimes bien les voitures de sport, toi, je vois. Oui. Je suis très fan. Ouais. On revient à la case départ. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, c'est moins impressionnant que les autres fois. Mais ça là. Ah, et là vous voyez. Ah, tu vas essayer de brosser normalement ça. En vitesse, en
ici, derrière mon volant, des palettes. Donc je peux maintenant, là je suis en vitesse 4, je peux passer en manuel 6. Continuer, puis si j'accélère assez, monter en 7. Ah ouais, on entend le moteur. Et si maintenant je fais une décélération, tu entends les freins à moteur? Moi j'entends un petit peu. Ouais ouais. On doit l'entendre un petit peu. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Quelle est la météo à Otigny? Actuellement, il fait principalement clair à Otigny. La température est de 12 degrés. Pendant la nuit, il fera nuageux avec une température minimale de 13 degrés et une température maximale de 16 degrés. Que t'as un régulateur de vitesse. Ouais, c'est ça. Donc là, on va se mettre à 70, hein, ce qui est autorisé. Puis on va faire comme ça, je crois. Comme ça, je reste avec mon cruise control à 70. Ouais. Je peux monter si je veux. Si je me dis, ah, je peux faire un petit peu plus. C'est bien. Vous en faites combien de kilomètres? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que je suis à 30 000. Entre 30 et 40 000 mètres. Quelle vitesse? Et en plus, elle ne se lève pas. Elle n'a pas le lift. Ouais, certainement. C'est vrai qu'elle est fort top que je peux m'exprimer comme ça. Non, mais ça, c'est dû à sa basse. C'est dû à ce qu'elle soit basse, non? C'est mieux qu'elle soit basse, oui, tout à fait. C'est mieux que ça passe surtout sur l'autoroute. Ah oui, je reconnais là. Ah oui, là ici on reconnaît, même moi. Je vois où on est. Mais moi, ce que j'aime moins en fait qu'elle soit basse, c'est justement que j'ai toujours peur de l'abîmer. Alors, un point fort et un point faible de cette voiture. Alors, le point faible, j'en ai déjà parlé, c'est que ma voiture est relativement basse. Donc pour les cases vitesses, pour une voiture, pour rouler avec cette voiture à Bruxelles, ça peut être compliqué. Il faut avoir des techniques pour ne pas abîmer son bas de caisse. Et le point fort, je dirais le confort. Comme tu as vu, il y a beaucoup d'options. Il n'y a pas le CarPlay, mais il y a beaucoup d'options qui rendent la vie plus facile. C'est une tenue de route plutôt confortable. En fait, il y a même peut-être moyen de pencher, toi. Ouais, parce que la cabine est là. Je dois activer en fait ici. Et la voiture va rechercher des places de stationnement. Après, on revient chez toi. Il faut que les voitures soient plus proches l'une de l'autre. Peut-être ici. Ah, voilà, il va se trouver.
pas de bons endroits. Donc là, c'est vraiment pour se garer en... C'est surtout en ville où il y a pas de place, il y a très peu de place. Là, je pense qu'ils vont en trouver entre ces deux voitures. Parfait. Alors, je freine. Je sélectionne. Je dois mettre engager la marche arrière. Et puis, je fais plus rien. T'as vu ? Ma main et mes pieds font plus rien. C'est la voiture qui va tourner le volant, qui active les pédales. C'est dingue. C'est dingue ça. Et ça c'est le petit bruit, comme quoi on est garé. C'est dingue ça. Elle est bien garée en plus hein. Ouais. Elle se gare mieux que moi. Et pour sortir. Mais je pense qu'il y a l'option, parce que j'ai déjà fait une fois. Il y a l'option, oui. Mais, ah voilà, sortir de la place. Engager la marche avant. Oh là là. Il marche plus les pantoufles. Heureusement, hein. Moi j'aurais eu des problèmes si je ne les pas. C'est super impressionnant. Allez, maman, hop, je dois reprendre le volant. Ok, c'est super impressionnant. Je viens d'apprendre avec toi qu'elle savait sortir aussi de la place. Super, merci pour cet effet de la voiture. C'était génial, Martin Tavard. Voilà le moteur. Alors, Martin, qu'est-ce que tu... On dit. On dit qu'elle est bien. Et à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'inviter sur les réseaux sociaux.